Suivons ce journal à Samba. Le centre Tifindi reconstruit les rêves des jeunes déplacés internes en les formant à la teinture et au tissage. Fidel Oba, le responsable du centre, est spécialisé dans le tissage du faso d'Anfani, un secteur qui a un très bel avenir selon lui donc. Il souhaite accompagner ces jeunes déplacés internes afin qu'ils s'insèrent dans le marché. Zoom sur le centre et ses pionniers avec Tanga Kafondo. Nous sommes au centre de formation en tissage et en teinture Tifindi à Nyakode, dans la commune rurale de Saba. Chaque jour, le bruit des machines rime avec le mouvement des pieds et des mains. Il faut démêler les fils, lancer, bobiner et tisser. Ici, ce sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui se forment. La majorité d'entre eux sont des personnes déplacées internes, originaires de la région de l'Est. Contraints de quitter leur localité, ils ont pu se tracer un autre chemin et se construire un autre espoir. Et maintenant, pour aller à l'île, j'étais à Diapara. Et après, il y a une sécurité. J'ai demandé l'hélicoptère de venir ici à Ouara. Et j'ai venu gagner travail. Et puis j'ai travaillé. Ça fait 6 mois que je suis ici. Ça se passe très bien, le travail, ça avance. Fidel Woba est le patron du centre. Tisserand depuis sa tendre enfance, il partage ses connaissances et son expérience avec les jeunes apprenants. Bon, les jeunes qui viennent pour se former, ma première demande d'abord c'est de savoir si ils veulent vraiment le travail. Moi personnellement je n'ai pas commencé étant grand. Voilà, j'ai commencé quand j'étais jeune, quand j'étais petit je vais dire. C'est grâce à ce travail-là que je suis venu à Ouara en 2012. Et ce travail-là m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Fidel est bien connu dans le milieu du faso d'Anfani. Sa spécialité, le fil fin, une variété adaptée au climat burkinabé et bien recherchée par les stylistes et les modélistes. Nous constatons que le fil, le pain qui se trouve sur le marché sont des pains souvent un peu lourds. Et nous sommes spécialisés dans ce fil-là parce qu'on a remarqué que beaucoup veulent le pain le moins lourd. Depuis quelques années, plusieurs jeunes et femmes se sont formés dans l'atelier de Fidel et se sont installés à leur propre compte. Palamanga Woba est de ceux-là. Aujourd'hui, il est formateur et continue d'apprendre auprès de son ancien maître. J'ai appris ici même, voilà, avec Fidel. Voilà, donc on travaille en partenariat. J'ai un centre à Lumbila et dans mon centre, je forme au moins une quinzaine de personnes. Par exemple, s'il y a une grosse commande, voilà, je viens en appui, en tout cas, pour qu'on puisse honorer la commande. Plusieurs initiatives gouvernementales redonnent à la côte nord burkinabé toute sa place, des opportunités à saisir et des décisions saluées par les acteurs du secteur. Vous savez, quand vous faites quelque chose que les gens apprécient, ça vous donne vraiment la motivation. Actuellement, le seul problème que nous avons, c'est d'avoir les outils vraiment qui peuvent être le plus rapide. Un pain, tu peux faire une journée sans finir un pain. Ok, il y a des machines aussi qui peuvent vraiment tisser 15 pains, 30 pains par jour. En plus du tissage, le centre Tifindi forme également en teinture et reçoit des jeunes et des femmes pour des stages de 1 à 2 ans. Limité par l'espace, le promoteur ambitionne ouvrir un grand centre à Lumbila, un centre qui répondra à la demande des apprenants et au niveau de la technologie du secteur.